50, on va passer à un tout autre sujet avec Jean-Michel Apathy. Alors, c'est un sujet politico-journalistique, on va dire. Oui, c'est un peu plus léger. Ouais, un peu bon, plus, on va parler de Johnny Hallyday qui va mieux. Voilà. Et alors, s'il demeure hospitalisé à Los Angeles, il est maintenant sorti du coma et semble hors de danger. Alors, dans ce contexte, certains journalistes ou certaines personnalités critiquent la couverture de cet événement et accusent les médias d'en faire trop, Jean-Michel. Voilà. Alors, c'est un classique, hein. Il y a toujours, dans des circonstances comme celle-là, des pisse vinaigre qui diront « Ah, oh, ils en ont trop fait ». Alors, vous avez le syndicat SNJ-CGT qui a fait un communiqué ce matin. Voilà, on a traité Johnny. Tant pis pour le sommet climatique de Copenhague et pour le sort des SDF. C'est une vieille position marxiste. On parle de quelque chose d'anodin pour cacher les vrais problèmes aux gens. Comme si les gens n'avaient pas conscience des vrais problèmes. Enfin, bon. Et puis, il y a eu cette chose qui, moi, m'a semblé, alors, on peut être d'un avis différent, plus surprenante. Dimanche soir, sur France 5, écoutez ce dialogue entre Jean-François Copé et Nicolas Demorand. Jean-François Copé dit « Le traitement de Johnny », voilà comment il le qualifie. Comme un de ces rendez-vous d'indignité dont le monde du spectacle et des médias a l'habitude et qu'en même temps, ben voilà, tous les Français l'aiment et qu'on souhaite de tout cœur qu'il puisse se sortir le mieux possible de cette épreuve. Vous trouvez que les médias piaffent en attendant la nécro? Tout est étonnant dans ce dialogue. D'abord, Copé qui dit « indignité ». Franchement, l'indignité, on peut réserver le mot pour d'autres situations. Et puis même Nicolas Demorand qui dit « vous pensez que les médias piaffent en attendant la mort de... » Oui, c'est une question où il s'engage un petit peu. C'est pas une question très distanciée, voilà. Les médias ne piaffent pas. On n'attend pas la mort de Johnny. On fait de l'info. L'info, elle est agréable, désagréable, elle est ce qu'elle est, on la traite. Mais je ne connais pas un journaliste, enfin s'il y en a un qui se dénonce, qui souhaite la mort de Johnny Hallyday. Alors il faut expliquer, pour mettre un peu les choses en ordre, comment ça marche les médias. Parce que les médias c'est mécanique et donc c'est bête. Vous apprenez que Johnny, qui est dans l'imaginaire national, 48 ans de carrière, va rentrer à l'hôpital à Los Angeles. Vous savez qu'une semaine avant il a été opéré et que pendant l'été on lui a trouvé un cancer. Alors vous vous dites, si ça se trouve c'est quand même important. Donc déjà, vous n'en faites pas une brève de cette histoire-là. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Vous apprenez en plus qu'il est dans un coma artificiel, donc il y a quand même les éléments d'une mayonnaise. On vous dit... à Los Angeles, que justement, son admission à l'hôpital est liée à son opération précédente. Donc vous vous dites, il ne faut pas être malin pour être journaliste, hein, vous dites, tiens, peut-être la précédente opération était mal faite. Et là, vous découvrez un docteur qui ressemble à George Clooney et qui opère à peu près comme lui. Donc, si vous voulez, vous avez quand même de quoi faire comme feuilleton là-dessus. Et donc, évidemment, vous tartinez, vous en faites beaucoup, et puis c'est comme ça. Tous les médias en font beaucoup. Parce que les médias, c'est... chaque journal dans son coin qui fait le même choix, c'est-à-dire traiter de Johnny. Il y a un effet de masse. Et chaque média envoie un reporter à Los Angeles, parce que TF1 ne va pas travailler avec le journaliste de France 2, RTL ne va pas travailler avec le journaliste d'Europe 1, etc. Donc à l'effet de masse, il y a un effet de meute. Donc ce n'est pas sympathique. Mais c'est comme ça, c'est mécanique. Donc critiquer la mécanique, c'est comme regretter que la pluie mouille. C'est bête. Voilà. Alors après, on peut dire que dans la séquence, les médias sont parfois ridicules. Comme Johnny est un personnage public, mais que sa santé n'est pas d'intérêt public, il y a une rétention très forte sur son état de santé. L'hôpital ne communique pas, les médecins ne communiquent pas, la famille ne communique pas. Là, ce soir, ça va. Les médecins ont communiqué. Ils commencent à communiquer parce que ça va mieux. Mais pendant plusieurs jours, ils n'ont rien dit parce qu'ils n'avaient rien à dire. Johnny ne doit rien à personne. C'est pas le chef d'État, Johnny. Il doit rien à personne. Alors du coup, on a vu beaucoup d'envoyés spéciaux devant l'hôpital qui disaient « Écoutez, j'ai pas d'infos, mais je vais quand même vous faire un papier de 2 minutes. » Donc, on est un peu ridicule. Et même, on a vu un pas de plus dans le ridicule, c'est qu'il y a des médias qui ont transformé des gens qui n'étaient pas journalistes en journalistes. Alors là, le cirque perd un peu ses repères. 2 exemples. Je l'ai trouvé combatif, serein, beau. Il en a encore sous le pied. Quand vous voyez notre Johnny, cette force de la nature, vous le voyez là, allongé avec les tubes, etc. Mais beau, très beau, très beau, un joli teint. Vous voyez, les deux, journalistes nous disent il est beau. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il soit beau? Attends. Nico Saliagas, il a parlé dans notre journal de samedi et c'était le premier qui avait vu Johnny Hallyday dans sa chambre et sur son lit qui parlait. C'était tout de même un témoin. C'était la première fois qu'on avait... Non, mais c'était... Tu vois, c'était un contact direct. Mais... c'est pas un journaliste, on l'a pas présenté comme journaliste. Non, je dis pas ça. On l'a présenté comme ami, très proche et...
TF1. Mais évidemment, ça fait de l'info people. On s'est beaucoup moqué sur Internet de Nikos Aliagas, transformé tout à coup en reporter. Et puis, il a été très bien, Nikos. Oui, attends, mais je ne dis pas qu'il a été mal. Il s'est exprimé parfaitement. Du coup, ça amène le journalisme là où il n'est pas. Quoi. Je crois qu'on ne l'a pas présenté comme journaliste. On l'a présenté comme ami, encore une fois, comme vraiment proche de Johnny Hallyday, qu'il venait de le voir et qui, accessoirement, effectivement, était un animateur de TF1. Mais voilà. Moi, je crois que là, le système en fait un peu trop. Voilà. Maintenant, Johnny va mieux. On va rapatrier les envoyés spéciaux. Ça va s'arrêter et ça va recommencer la prochaine fois. Il faut juste dire que Johnny Hallyday est une immense star et que c'est un personnage public que les Français adorent et qui, comme disait Jean-Michel, fait une carrière depuis 50 ans. Donc c'est un énorme personnage. Voilà, on ne peut absolument pas ne pas parler de Johnny Hallyday. Et donc les dernières nouvelles sont bonnes d'après notre envoyé spécial qui vient de me téléphoner. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors demain...